C'est en 1834 que la Société Académique crée à l'arrière de l'abbaye de Fervacques, dans l'ancien jardin, son jardin botanique. En 1864, la Société Académique va créer un véritable comité d'horticulture qui va organiser ses premières expositions, notamment celle de 1865, ici, dans les Champs-Élysées. En 1869, ce comité d'horticulture prend son indépendance et demande la création d'un jardin d'horticulture, ici aux Champs-Élysées, à l'emplacement de l'ancien jeu de battoir qui est à l'abandon, ici, face au jeu de paume. En 1882, la Société d'horticulture, qui rencontre des difficultés financières, rétrocède le jardin d'horticulture, mais aussi le pavillon qu'elle a fait construire, à la ville de Saint-Quentin. Ce magnifique pavillon devient le logement du chef jardinier de la ville de Saint-Quentin, M. Bertin, qui sera le premier rédacteur du règlement du jardin d'horticulture. Le jardin botanique de l'ancienne abbaye de Fervacques est transféré ici au jardin d'horticulture. Et c'est à cette occasion, en 1902, que des serres hollandaises sont construites, agrandies en 1914, malheureusement aujourd'hui disparues. En 1905, le portail de l'ancienne église romane de Douchy est transféré, lui aussi, du jardin botanique au jardin d'horticulture. En 1931, il est décidé d'ériger un monument commémorant les 50 ans de la loi Jules Ferry, le monument de l'école laïque. Il prend la place d'un monument plus ancien, le Gaulois, son vrai nom, le Défi, sculpture qui a disparu au cours de la Première Guerre mondiale.